Dans cette école de Fourian, ce sont les derniers travaux avant la rentrée scolaire. Avec 160 mètres carrés de surface en plus et 4 nouvelles salles, cet établissement est désormais en mesure de dédoubler ses classes de CP. Objectif, passer de 23 élèves à 12 élèves par classe. C'est bien pensé en fait, quoi. C'est bien pensé, ils ont fait de belles choses. Les enfants vont être contents de retrouver une nouvelle école en fait, pour la rentrée. Ce nouveau bâtiment a été subventionné par la collectivité de Corse, l'État et la commune. Une extension qui a coûté 300 000 euros et qui permet de répondre au fameux projet CP12, l'une des promesses phares de la campagne d'Emmanuel Macron, qui prévoit le dédoublement des classes dans les quartiers les plus défavorisés. Je ne sais pas si vous imaginez, mais travailler avec 12 élèves au lieu de 23, bien entendu, l'instituteur, le professeur des écoles est beaucoup plus près de l'enfant, peut mieux le suivre, répondre à toutes leurs demandes. Et généralement, c'est quand même un outil très très important dans les apprentissages. En 2017, 9 classes de CP ont été dédoublées en Corse. Mais dès la rentrée 2018, la mesure s'étendra à 48 classes. Et pour ne pas s'arrêter là, toutes les classes de CP et de CE1 en réseau prioritaire devraient être dédoublées d'ici à la rentrée 2019.